Bonjour, monsieur. Ouais, c'est faux parce qu'on avait presque perdu la guitare cette fois-ci là. Je suis Olivier, je joue dans le groupe Cheveux, je joue du clavier et des boîtes à rythme. Salut, moi c'est Étienne et je fais la guitare dans Cheveux. Salut, et moi je chante dans Cheveux. Qu'est-ce qui nous a amené là? On a fait une tournée en Amérique du Nord de 3 semaines, et là c'est la fin de la tournée, et on joue demain à Pop Montréal, voilà, à Montréal. Et donc on se disait, bah, ce serait cool de jouer à Québec. Ouais. Et donc c'est très cool, et donc voilà, on le fait. On est un peu usé là, c'est la fin de la tournée, mais on va se réveiller. Qu'est-ce qui vous marque des États-Unis quand vous passez en tournée là-bas? On a mangé de la viande, c'était super. Puis qu'est-ce qui vous marque quand vous passez au Québec? Bah, les gens parlent une sorte de français qui ressemble un peu au nôtre. Non, mais on s'est retenu, là, on est allé dans un Saint-Hubert sur l'autoroute à midi. Et on avait toutes les difficultés du monde. On se marrait à fond quoi, parce que le gars disait plein de trucs hyper bizarres. Il nous a demandé ce qu'on voulait comme breuvage. Et là, on était là, les breuvages. Fin... Ça vous fait pas marrer, nous, nos expressions? C'est ce qu'on se demandait. Oui, puis non, je pense qu'on a un peu passé par-dessus ça. Merde, ouais. On est vraiment des enfoirés. Okay, celle-là, elle s'appelle Make My Day. C'est simple. Ça fait. En fait, il y a beaucoup de groupes français, on fait des paroles en anglais, vous pardonnez. Ça fait. Come Susie here, like. Come Susie here, stay. Come Susie, make my day. C'est à peu près tout ce qui se passe. Même si vous chantez essentiellement en anglais, est-ce que vous avez l'impression que votre réception est différente au Québec qu'aux États-Unis à cause du fait que vous parlez français en dehors de la scène? C'est vrai que. Ouais, on sait pas très bien comment le gérer. Je sais qu'une des premières dates qu'on avait fait au Québec, à Montréal, on avait fait une mauvaise blague. On avait dit hey, « bonjour les castors !» et ça avait pas du tout marché. C'était vraiment la catastrophe, on a failli se faire casser la gueule. Et donc on a pas la bonne distance qu'il faut par rapport au fait de parler français. Okay. On n'a pas trouvé le truc qui est encore bien. Mais par contre, en revanche, chanter en français, c'est un truc... Enfin, moi, j'avais toujours voulu essayer de faire et jamais arrivé parce que c'était trop franc et trop direct. T'as l'impression d'être un peu quelqu'un d'autre quand tu chantes en anglais, ça fait que tu peux faire n'importe quoi. En français, c'est un peu plus dur, quoi. Je sais pas, mais c'est un objectif, quoi. C'est quoi le truc qui vous manque le plus quand vous êtes en tournée? Le fromage. J'ai beaucoup de fromage chez moi. Ma chair est tendre. Ouais, je pense que nos meufs nous manquent pas mal. Là. On était un peu à cran dans la voiture. Là. Alors on passe, tout le monde est collé à la vitre, on verra. C'est assez marrant. Quoi. Non, non, faites juste partir. Y'a pas de problème. Bah, vous pouvez revenir si vous voulez. Ah non, non, ça va bien aller.